إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله نبدأ ديجام سيشن C'est un programme qui vient de commencer avec le titre « Comment préserver le iman ?» Semaine passée, on fait une introduction à ce sujet-là. Comment iman, c'est quelque chose qui est augmenté, est diminué. Et alors, un musulman, il faut faire ses efforts pour qu'il préserve ce iman. Il n'a pas laissé ce iman affaibli, affaibli, affaibli. Jusqu'à qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédit, pour arriver à une époque, quand un musulman grammateur, pour arriver à une époque, quand une personne grammateur, les musulmans, tantôt une fille tombe dans le coffre, ou bien tantôt les petits musulmans grammateurs, une fille tombe dans le coffre. Puis il y a doute qu'un musulman qui grammateur, les petits musulmans, tantôt une fille dans le coffre, il n'est pas un musulman qui se iman, qui ferme, qui solide, un coup à soi, il finit une kafir. Non. Qui est un musulman qui, grammatère, les petits musulmans, tantôt il finit une kafir, c'est un musulman qui se iman bien faible. C'est un musulman qui n'a pas compris ce qu'appelle iman. C'est un iman qui n'a pas une racine ferme. C'est ça qu'a été iman là, qui, grammatère, les petits musulmans, tantôt il finit une kafir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit « Inna l'iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullaha an yujaddida l'iman fi qulubikum » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Certainement, l'iman, il y a une petite chose qui isé, li vieillit, pareil comme un djimoun solaise li isé. » Pareil comment un démon solaire, l'isé, l'invieillit, comme ça même, l'iman, l'invieillit dans les prophétiens à l'intérieur de chacun parmi eux. Et les prophètes continuent de dire, « Fas Allah a yujadid al-iman afi qulubikum » Alors, demande Allah pour qu'il renouvelle ce iman dans ce cœur. Donc ça, c'est un exemple clair que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les paix de nous. On a été un bien content pour mettre ça dans nous, les neufs. Ça même l'aise là, après deux, trois balanés, qu'on va dire, il vient si fort, nous êtes ça dans le coin. Pourtant, ça même l'aise là, tiens l'aise, qui, comment dire, je suis content pour mettre ni. Nous sommes bien contents, nous gagnons ce l'aise. Je dis, après deux ans, trois ans, ça même l'aise là, les comédiens s'y font dans un coin. Qui n'arrivait, ça l'aise là, l'inisé. Ça l'aise là, l'invieilli. C'est un exemple clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'y peut servir pour qu'il nous comprend qu'appelle iman. Il ne faudrait pas nous croire quand on dit à moi l'iman, mon prononce kalima la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vous pouvez dire un tawhid correct. Mon iman, les 100% correct, ça iman là, dirait ne peut pas moi parler avec Jannat. Non. Nous tous, nous sadjimoun, qui nous iman, les baisser. Nous tous, nous sadjimoun, qui nous iman, peut baisser. Moi, je te dis la semaine passée, si nous ne pouvons pas faire des efforts pour augmenter nos iman, automatiquement nous pouvons glisser. Parce qu'il fait, parce qu'il déjà il y a des efforts de la part de Shaitan.
Si nous ne pouvons pas percer faux pour augmenter nos images, par quoi qu'il nous pourrait s'intacter, par quoi qu'il nous pourrait s'en place. Parce que Shaitan, il déjà peut pousser nous par derrière. Si nous ne pouvons pas percer faux, mais définitivement, nous pouvons alors nos images, pour affaiblir, pour vieillir, pour user, pour une image qui n'a pas la force là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, demande Allah pour renouveler son image. Combien parmi nous, nous les avons dit, Wallah, renouvelez mon iman. Wallah, fais mon iman une fois. Wallah, fais mon iman une plus fort qu'il était. Bien, dit parmi nous, qui fait ça, qui comment dire, nous peut faire ça, doala. Et ça n'est pas indiqué que nous, excepté que nous n'avons pas conscience même de ça, danger qui a fait faiblesse iman. Faudrait un timon, les conscients d'un danger. Qui ça, danger là? Iman y a faibli. Iman y a faibli, il vieillit. Iman y a une faible. Alors qu'un djimon, il est conscient de sa danger là, derrière lui, Allah, protège-moi pour que mon iman n'a pas faibli. Allah, renouvelez mon iman. Mais s'il peut vivre comme ça, même s'il nous demande, quand dernière fois, tu dis, Allah, renouvelez mon iman. Il n'y a pas rappel. Il n'y a pas rappel. Il n'y a pas rappel. Il n'y a même pas fait à toi là. Ça m'a même fait ça. Ça doit là, Allah, renouveler mon iman. Allah, garde mon iman vivant. Alors, ça, c'est, peut montrer nous qu'en vérité, il est important de nous prendre nos précautions pour qu'il ne nous pas perdu nos iman. Alors, nous pouvons essayer d'être l'enseignement, un parrain, qui a une précaution qui nous mise à prendre pour qu'il ne nous pas perdu nos iman et qui a un cerveau qui nous mise à faire pour qu'il nous augmente nos iman. Premier, c'est réaliser ce valeur. Réalise ce valeur, qui veut dire réalise valeur de l'iman. Un dimon quand il connaît et une petite chose qui est la valeur de cela, mais il garde bien. Ça même une petite chose là, qu'il est capable de valeur plus que tout, un bout de diamant, ou prend ça, ou met ça dans la main un enfant, ou de l'autre la main une canette, les gars prend le diamant là, les ennemis, les prend la canette là, les jouer. Qui veut? Parce que les papiers connaissent valeur ça. Il n'est pas peut qu'on valait ce diamant-là. Il n'est pas qu'on valait ce diamant-là. Alors, c'est ça son réaction. Quand nous guérissons les musulmans aujourd'hui, il peut prendre précaution pour préserver sur la santé. Il peut prendre précaution pour qu'il se business marche bien. Il peut prendre précaution pour qu'il, dans son étude, dans son travail, il fait progrès. Qui fait, il peut faire sa même effort là, qui fait, il peut prendre sa même précaution là, simplement parce qu'il réalise ce valeur. Il connaît, il réalise valeur la santé, si pas prendre compte là, c'est la santé pour bien long le lit derrière vous. Il réalise valeur la santé, il peut prendre précaution. Il réalise valeur travail, il peut prendre précaution. Il réalise valeur l'importance, l'éducation. Il peut prendre pression, il peut faire ses efforts, il peut prendre ses précautions. Ça même dit qui il ne peut pas prendre, il ne peut pas valer la santé, il ne peut pas valer un travail, il ne peut pas valer n'importe quelle chose. Au bout de trouver, un démon qui a dit qu'il pas mal de la vie, il ne vaut rien dans la vie. Qui fait parce qu'il ne peut pas réaliser valer quelque chose. Et ça, c'est une première qualité d'un intelligent. La première qualité d'être intelligent, et ça c'est important, nous comprendre, quand nous pouvons comprendre valeur iman, nous pouvons comprendre ce qui zizban qui est l'iman qui est intelligent au salaté là. Zizban qui est l'iman qui est intelligent au salaté là. N'importe qui s'en a, qui peut l'iman, en vérité, il y a un imbécile. En vérité, il y a un démon qui n'a pas pu servir sur l'esprit qu'on m'a dit. Ziz ban kena iman, c'est ziz zot kena l'intelligence. Quoi dans le Coran, Allah fait dire, Olul alba ban kena, ban ki ena l'intelligence. Alors, qui était l'intelligence? C'est qui nous réalisait sa iman qui Allah fait de nous là. Qui chose qui n'a plus valeur que ça? Qui chose qui n'a plus valeur que ça? Donc ça c'est le premier effort qu'il nous peut faire pour préserver l'iman. Qui premier effort nous faire? Pose aux mêmes questions. Qui ça qui chose qui n'a plus valeur pour moi qui iman? Qui chose? C'est un démon vraiment plus sincère envers Allah. Réponse qu'il vous gagne, c'est qu'il dit. Peine à rien qui est capable et n'a plus valeur pour moi qui iman. Est-ce que la santé, mon travail, mon richesse,
Madame, les enfants, n'importe qui quelque chose, est-ce que ça manque quelque chose là? Il est capable d'avoir plus de valeur que mon iman. Si vraiment nous sommes sincères envers Allah, nous vous trouvons quand nous nous posons même cette question là, avec l'objectif réalise la valeur de l'iman, afin qu'il nous fasse ses efforts pour préserver. Tant que nous ne pouvons pas nous aller, nous ne pouvons pas nous prendre compte. Nous n'avons pas pour faire ces efforts qui vont bien. Alors, quand nous posons cette question là, sincèrement, quelque chose qui n'a plus valeur pour moi, réponse d'un musulman qui sincère envers la sécurité, quelque chose qui plie n'a plus valeur pour moi, c'est mon iman. Alors, si nous pouvons faire autant d'efforts pour nous la santé, ou bien pour le travail, ou bien autant c'est bon, nous pouvons pour gagner notre cyclette, ou bien pour gagner le tour, pour gagner la case. N'importe qui c'est bon qui nous peut faire pour n'importe qui chose dans cette dunya-là, si nous acceptons que l'iman est la plus valeur que tout ça qui chose-là, ça implique que nous c'est bon qui nous peut faire pour préserver l'iman des bisins. Les bisins plus qui c'est bon qui nous peut faire pour n'importe qui chose dunya. C'est vrai même, nous pouvons dire, mon iman est la plus valide. Nous pouvons faire zéro pour travailler, pour arranger la case, pour gagner le taux, n'importe quoi, pour amener de la vie facile. Si vous pouvez dire mon iman est la plus valide, mon bisan peut faire plus beaucoup zéro pour préserver mon iman qui zéro qui vous pouvez faire pour gagner un travail ou bien une la case ou bien n'importe qui chose. Et si nous pouvons trouver le contraire, tout qui chose, nous pouvons trouver le temps. Nous pouvons trouver et dans les temps. Et nous pouvons trouver, nous pouvons faire des efforts dans cette direction-là. Mais nous, iman, quand tu as, viens apprendre, viens écouter causerie, viens prendre les sons, mille prétextes nous gagner pour n'en pas écouter parole Allah subhanahu wa ta'ala, et quoi nous apprendre. C'est ça même pour iman. Moyen plus important pour qui nous préserve l'iman, nous augmente l'iman. Une fois qu'un djimoun, il arrête d'apprendre, il achète une enveloppe avec lui, prend lui aller. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas si clair dans le Coran et le Hadith. Même quand nous avons combien de frères, parfois, ils sont assis dans des zodis noyés dans fitna, noyés dans les obéissances à Allah. Et nous avons tombé même si nous avons grand empêché, mais il n'y a aucune raison derrière ça, excepté qu'il y ait négligence concernant la dîme. Et comment les connus, bon action. Tout pas de bon action, c'est une seule famille. Tout pas de mauvais action, c'est une seule famille. Une bonne action, il faut trouver une bonne action. Une bonne action, il faut trouver déjà une bonne action. Et de la même façon, une mauvaise action, il risque de trouver déjà une mauvaise action. Un mauvais péché, il risque de trouver un autre péché. Alors, quand il a arrêté de faire ses faux côté bon, il commence à faire négligence, un péché. Après des trois jours, après des trois semaines, il vient dix. Après des mois, il vient six. Après une bonne année, il finit à 2010, il finit à 2020. Après des ans, quand il peut lui-même, il peut s'envoyer un trait péché, l'os aux épaules. Alors, comment. Qui premiers efforts que nous visons faire pour qui nous préserve nos iman à chaque fois réveille sa conscience là dans nous qui nous conscient nous peut connaître nous peut comprendre que nos iman n'a plus valeur que tout nous peut comprendre que nos iman n'a plus valeur que tout n'a plus valeur que mon propre madame mon propre enfant mon propre maman mon propre papa. Parce que mon maman, mon papa, mon madame, mes enfants, pas ça qui vous sauvera contre l'enfer. Pas ça qui vous sauvera contre l'enfer. Si il y a une petite chose qui demain peut sauver contre l'enfer, c'est qui dit? C'est l'iman. C'est l'iman. Alors, si nous comprenons, ça c'est valer les iman. Comment aujourd'hui nous capables? Et c'est une vidéo de temps négligent concernant ça qui chose là, ou bien nous n'avons pas pu montrer. Valer les iman. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous vous traitons ça, premier point là, réalise valer les iman, nous vous mettons un des points, comment, en basant le Coran et le Hadith, comment Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul fait montrer nous valer les iman. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, dans le Coran, plusieurs places, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu.
Puis nous disons que ça, dans lui-même, c'est une indication Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous valier de l'Iman. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut appeler nous pour nous l'Iman, il peut appeler nous pour une qualité qui est là dans nous, qui c'est un lunaire. Il peut appeler nous pour une qualité qui est là dans nous, qui a sorti sa qualité là, fin différent chez nous des deux autres. Oh toi qui fin amène l'Iman, qui veut dire ça? Oh toi qui fin amène l'Iman, oh toi qui ne pas pareil, comment ça kafir là? Oh toi qui fin amène l'Iman, qui veut dire ça? Oh toi qui fin amène l'Iman, oh toi qui sorti, tu n'as une valeur auprès d'Allah, tu pas ça, tu m'en qui humilie toi des manchos, tu pas ça, tu m'en qui humilie toi des voix senti, si il y a un timon, pour l'Iman qui perd au chos. Pour les gens qui perdent aux idoles, ce sont des gens respectables dans la société. Et là, ça va être des gens là, qui sont capables d'un dernier kafir, un dernier mouchrik, je garde aux roses, mais c'est moi, je suis respectable dans la société. Puis il y a personne qui osait montrer point ni les doigts, puis il y a personne qui osait critiquer ou bien blâmer. Si tu as un dimon, la crème dans la société. Mais si kafir, il y a certaines bonnes qualités comme ça, comme la honte, aujourd'hui, c'est nous dire qu'il y a l'Iman. Iman qui en vérité les représente pour nous, le lire. Et c'est un lunaire qui vient accorder pour qu'il s'en apporte. Allah Rabbul Alamin. Mais comment il y a la honte, aujourd'hui, si Allah peut dire, oh, toi qui viens amener l'Iman, quand tu es moi, et quand tu es ça, kafir là, il paraît plus respectable dans la société. Kafir là, il paraît un djimoun qui peut montrer lui plus concerné pour sa famille. Il y a un djimoun qui est plus droit dans la vie. Et définitivement, c'est un guerrier désolé pour un musulman qui parle qu'on valait de ça. Et ce iman, alors à cause, Allah à chaque fois dit, oh, ben qui vient avec l'iman, ya ayuha alladhina amanu, ya ayuha alladhina amanu. Et comment on dit, c'est-à-dire, pourtant, pour Allah, il descend, pour que ça n'a lieu. Pour Allah, le malheur, que ça n'a qu'il y a ça. Ben, moumin même, pour Allah, pas qu'à kafir, il n'y a pas lié, excepté, sinon, pour Allah, c'est pas le musulman qu'il y a. Veut-dire, ça lié que nous prenons, nous commençons à dire là, déjà, message-là peut adresser à nous-mêmes qui concernés par ce message-là. Mais Allah, à chaque fois, dit, oh, toi qui finis avec l'Iman, oh, je qui finis avec l'Iman, qui fais-nous réaliser, oh, toi qui finis avec l'Iman, tu es un djimoun qui n'a valeur, toi. Oh, toi qui finis avec l'Iman, tu es un djimoun qui est différent des autres, tu n'es pas pareil comme ça, kafir, qui n'a pas reconnaître l'autorité Allah, pour la vie. Tu n'es pas pareil comme ça, kafir, qui humilierait devant un bout de djimoun, ou bien avec un bout de rose. Tu n'es pas pareil comme ça, kafir, qui se léguait les noircis avec chèque, avec coffre, veut dire nous différents. Quand nous différents, nous visons maintenir nos différences et que cette différence-là, quand elle commence dans dunya, elle ne peut pas arrêter la même vie. Elle peut continuer jusqu'à l'akhirat et qui demain nous pouvons fier de cette différence-là. Quand un kafir peut prendre l'enfer et nous nous différons des autres, nous peut prendre jannah et puis la doute. Qui, ce moment-là, nous pas le réalise, valer l'Iman. Mais si nous attendons à l'akhirat, nous pas le réalise, valer l'Iman, mais définitivement, il est trop tard. Comment nous dire, vous voyez, mais permettre la vie, vous voyez, tout derrière le kafir. Ce qu'il dit, nous faire. Même les pas demandent, nous pouvons nous faire. À ce jour, comment nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il ouvre sur la bouche pour dire, garde la porte, garde la porte, garde la porte. Mais, combien de musulmans sont négligents concernant ça? Et parfois, les camarades, un vieux djimoun qui finit prêt pour rentrer dans le kabar, les pannes trouvent l'importance pour garder la porte. Pourtant, ils pouvaient dire, il y a un vieux djimoun. Mais quel est ça, Zélès là? Un Zélès qui, son acteur ou bien son footballeur, pas ouvert la bouche pour dire, hé, garde la porte pour vous comme moi. Kafir là, footballeur là, ou bien acteur là, pas ouvert la bouche pour dire, et qui pourtant il y a un zélès, il comprend qu'il m'a l'amour pour sa footballeur là, pour sa acteur là, il implique qu'il m'a fait pareil comme Ali. Et on trouve zélès faire bouffon,
elle longue la boxe, elle longue comme elle longue carabine, le qui fait parce qu'il est content car faire les pétroles elle donner pour faire pareil comme ben l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman quand il comprend valer l'iman, jamais il pour humilier lui poursuivre ban kafir. Et comment nous connaissons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait décrire ban kafir comme ban mort, comme ban qui est dans le noir, dans l'obscurité, comme ban qui est aveugle. Mais nous qui venons à l'iman, nous les qui sommes vivants, nous qui venons à l'iman, qui est la lumière de l'iman, nous qui Allah fait considérer nous dans le Coran comme ban qui nous léger, nous pouvons trouver avec nous léger. Est-ce qu'ils nous suivent, ça va le kafir, qui sont les guerres mots, qui sont dans le noir, sont avec l'idée sur les guerres noires, l'idée avec l'idée dans le noir, l'obscurité dans l'obscurité, nous suivent sans qu'il y ait des démons là. C'est simplement un démon qui n'a pas connu valer ce iman qui lui tombe dans sa pièce là. Et à ce jour, quand on trouve beaucoup un musulman, ce iman qui affaibli, pas sa question qui appelle suivre kafir, il refait pareil comme un kafir, il refait pareil comme un kafir, c'est ça le premier point qui nous peut traiter à Zodi là. Il réalise ça, il comprend ça, qui imane ce valet, peine à n'en qui n'a plus valet qui ça, c'est si il comprend ça, à aucun moment parti pour vous dire que je ne suis pas fait comme un kafir. À aucun moment parti pour bien dire car musulman pas suivre kafir. L'idée vous trouve moi un musulman me suivre un qui perd de rousse me suivre pareil comme un kafir. Moi qui n'ai iman dans mon équerre me suivre pareil comme ça qui perd de shaitan là. C'est lui qui comprend ce valet ce iman pas pour bien dire il est pas fait comme un kafir, pas habillé comme un kafir, pas raison comme un kafir, pas fait comme un kafir, pas pour bien dire tout ça là. C'est ce qu'il comprend qu'il était sa iman qui a l'envie de moi là, moi qui ai la valet là ou la terre, pas sa kafir là. Moi qui reconnu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas sa malpropre kafir qui dans le Coran Allah indique un kafir comment. Inna mal mushrikuna najas. Ban mushrik c'est ban malpropre. Ça c'est une description Allah Rabbul Alamin. Allah peut décrire ban mushrik comme ban malpropre. Je dis moi qui n'a iman, me suivre ça ban malpropre là. Et je pense que malpropre pour cette aqida, cette la vie aussi malpropre. Et n'a capable pas connaître comment aller pousser qui s'en a son papa, ou bien lui-même qui s'en a son enfant, qui s'en a pas son enfant, dans la boisson, dans la drogue, dans Zina. Je te léguer malam, je te léguer pourri avec, avec shirk, je te laver malam. Musulman, quand il parle qu'on valait ce iman, il permet de suivre ban mal préparé qui fait parce qu'il n'est pas qu'on valait ce iman. Comme ça, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله رب العالمين يجي لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم نسيتمان نكري إنسان دو meilleure forme ثم رددناه أسفل سافلين ensuite nous retournons plus bas qui bas. Ensuite, nous retournons plus bas qui bas. C'est-à-dire, malgré qu'Allah fait une créée dans une meilleure forme, il tombe dans une bassesse qui, les animaux aussi, n'a pas tombé dans sa bassesse. Il tombe dans une bassesse qui, ce qu'il fait, les animaux aussi n'a pas fait ça. Allah Ta'ala dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Excepté, ben qui finalement iman et je te fais bon action. Alors, qui ne peut comprendre pas ça? C'est qui iman en vérité les préserve dans nous ce qu'il appelle dignité humaine. Les préserve dans nous nos dignités en tant qu'humains. Les fait nous vivre comme un djimoun. Allah Ta'ala veut dire. Nous créons un dans meilleure forme, mais c'est mal, il tombe dans une bassesse qui bat les animaux. Et dans les mondes qui nous peuvent vivre là, nous ne pouvons pas dire que non, ça a été là, je peux exagérer, ou bien non, on peut y aller dans ça.
Dans le monde qui nous peut vivre, dans l'époque qui nous peut vivre, là, qui nous n'a pas attendu concernant l'immoralité, qui nous n'a pas attendu concernant la malpropre qui a fait amener, et qui, dans le pays même, ce que commence cause concernant, droit des bannes homosexuels, jusqu'à là, probablement permis une notion pareille, mais qui direction qui ça le monde là peut prendre, qui direction qui Dimon peut prendre, face je veux dire dans 10 bananes, dans 50 bananes, qui pourrait être dans sa pays là, dans sa limona, hein? En général, c'est ça, vérité, parole, Allah Rabbul Alamin. Allah crée une sainte de meilleure forme, mais c'est moi quand je tombe dans par ces animaux, puis bon, ils disent, et comment? L'éclair, si nous demandons un lichien, qui s'en a torab, qui s'en a glibougia? Nous demandons un lichien, qui s'en a torab, qui s'en a créé toi, qui s'en a qui peut nourrir toi, qui glibougia? Il vous dit Allah. Si nous demandons une cochon, qui s'en a créé toi, qui s'en a peut nourrir toi, qui vous dit? Il vous dit Allah. Mais quand nous sommes kafir, quand nous demandons qui s'en a créé toi, qui s'en a peut nourrir toi, soit il dit russe, ou bien l'autre, ou bien il va croire même là. Mais qui s'en a qui n'a plus valeur auprès d'Allah? Qui s'en a qui n'a plus valeur auprès d'Allah? Ça, insan, qui a l'air créé dans la meilleure forme là, ou bien ça, animaux, qui lui fait tasbih Allah, Allah Rabbul Alamin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, wa lakin la tafqahuna tasbihahum. Allah dit, n'a peine à naïe, peine à aucune créature, excepté qu'il lui fait tasbih Allah. Mais ce, insan, je ne comprends pas tasbih qui ces animaux là peuvent faire. Mais il y a ça, lui fait tasbih Allah. Même sa cochon là, lui fait tasbih Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais toi, insan, quand tu parles qu'on valait ton iman, toi-même, toi, tu vas faire tasbih Allah et tu peux suivre sa bande qui peut en valer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, Allah Rabbul Alamin, fait considérer ban appli pire qui ban tout ban créature qui n'a l'eau sur la terre. Donc, il clair, Allah ta'ala peut dire, Allah fait créer une sainte de meilleure forme, mais seulement. Quand il tourne dans le passé, il vient plus bas que les animaux, Allah dit, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Excepté par qui finit là, iman et je fais moi action. Donc, qui ça qui chose qui peut sauver un djimoun pour qu'il n'y pas tombe dans le passé? Qui ça qui chose dans ça? C'est iman et bon action. C'est-à-dire, si n'a pas un iman, djimoun tombe dans le passé, il vient comme un animal au salatira. Si pas un iman, Jimun bin kuma vive kuma bébête l'eau salatiela. Alors le musée peut réveiller si Allah, même pas un kafir, quand on dit à l'Iran, il n'y a pas un kafir qui se respectable dans la société. En vérité, c'est l'islam qui peut vivre parmi les musulmans dans le monde en entier. C'est ça qui bénéficie aux autres, qui ont dit, je suis un petit peu bon dans eux. Si pas tu es dans l'islam, aujourd'hui, mais tout ça, man kafir là, tu peux vivre comme un bébé, tu peux vivre comme un animal, ou la terre, Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, Rabbul Alamin, il dit, inna sharra dawabi inda Allah, illadina kafaru, fahum la yu'minun. Certainement, une créature plus pire auprès d'Allah, une créature qui plus pire auprès d'Allah, c'est man qui fait kufr, zut n'a pas un iman. Donc, une créature, tout ça, une créature qui n'a l'eau la terre, Allah, l'eau la terre, dans la mer, dans la forêt, ou bien n'importe quoi de ça, tout ça, une créature là, qu'on va nous dire, qui peut être Allah, une qui plie pire, c'est ça, une kafir, qui peine à iman dans une équipe. Qui peine à iman dans une équipe. Alors, nous iman, qui sauvaler, nous iman sauvaler, c'est qui sorti à travers sa iman là, moi na valer auprès d'Allah, moi reconnu auprès d'Allah, à travers sa iman là, aujourd'hui mon pantom dans basse spiba qui s'annule. Donc ça c'est le premier point qui peut montrer nous valer iman. Est-ce quelque chose qui est là autant valer, qui lui représente un lunaire pareil pour nous, est-ce que c'est ça quelque chose là qui aujourd'hui nous fait négligent autant concernant ça? Est-ce qu'il tout quelque chose est la valeur pour nous? Quoi? Un dimon qui en vient à la stèle de tout, il est capable de sortir de la stèle de tout là, c'est pas si mes greniers.
Il comprend, valait elle le dos, l'importance elle le dos, les sorti là, il y a l'asté sur le dos, c'est mes craignis. Il comprend, valait elle portable, il est capable de sortir là, il prend piste, il y a le rosier, il y a l'asté, elle portable, il vini. Qui fait ça, va se faire là, parce qu'il comprend, valait ça qui chose là. Mais qui valait nous, qui se faut nous faire pour préserver nos imams et qui nous nous fait dire nos imams et n'a plus valait qui ça le tout là, qui ça portable là, qui ça computer là, ou bien n'importe qui chose. C'est vrai même. Nous pouvons dire iman et la valeur. Nous comprenons que iman, les sacrifices qui n'a plus valeur là, n'importe qui se voit qui nous peut faire l'eau la terre pour manger, pour boire, pour travailler, pour la santé madame, la santé des enfants, tout ça se voit qui nous peut faire là, se voit qui nous peut faire, nous pouvons faire plus, c'est se voit pour protéger nos iman. Parce que si l'imam n'a pas perdu, qui sait-il madame, qui sait-il les enfants, et qui maintenant aussi perdu son imam, et qui finalement, quand il rentre dans le tribunal Allah, ni aux madame, ni aux enfants pour venir au secours, et qui en vérité sont capables de témoin contre eux. Et comme ça, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre le valeur imam pour faire nous connaître. Qui iman, c'est ça même quelque chose qui donne des gens tranquillité dans la terre Allah. C'est ça même quelque chose qui donne des gens tranquillité dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la personne qui est capable de vivre une vie remplie avec joie, avec tranquillité, avec contentement. Paix la personne qui est capable d'amener une vie pareille, excepté qu'il a iman de celui qui. Il est capable d'être un grand millionnaire, mais s'il y a un coffre dans son équerre, il est dormi avec tracas. Il est dormi avec ban soucis. Il est la vie rempli avec ban. Il n'a plus la tranquillité dans son vie. Qui s'en a qui la tranquillité dans son vie? C'est simplement celui qui est dans l'équerre, qui s'en a l'équerre à une reconnaître son âme. Un léquier qui s'en a l'équerre à une reconnaître l'autorité sur le Créateur. Un léquier qui ne reconnaît qui lui bise soumet à son créateur. Elle voit qu'elle est qui, elle n'est pas soumet à son créateur, elle est la même qui lui soumet à son propre nafs, elle dit qu'elle est un prisonnier. Elle est un prisonnier de son nafs. Elle est un prisonnier de mal kafir. Elle est un prisonnier de... C'est pas garçon qui est content, mais c'est fille qui est content. Alors, qui s'en a qui vit comme une personne qui est libre, c'est simplement celui qui l'a accepté pour vivre comme un prisonnier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'a comprend, qui m'olonner, c'est qui va vivre comme un esclave pour Allah, ça dit mon âme, il a une tranquillité dans celui qui. Une fois qu'un djimoun n'a pas le droit de vivre comme un esclave pour Allah, djimoun n'est pas pour qu'il vivre comme ça même, soit il est un esclave, son propre nafs, soit il est un esclave, un kafir, ou bien il est un esclave, shaitan, ou bien il est un esclave, son travail, ou bien il est un esclave, n'importe qui chose dans sa vie là, et l'esclavage. Pour un autre apporte Allah, être un esclave, pour un autre apporte Allah, puis la tranquillité, ça. C'est simplement quelque chose qui rime les qui un djimoun, les rime la vie un djimoun. Tandis qu'un djimoun, il peut vivre comme un esclave pour les créateurs, il peut vivre comme un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, même les malades, peine à manger, peine à boire, difficulté, l'ennemi peut attaquer, même quelqu'un dit moi, c'est qu'il peut voir, il peut quitter sa dunya là, il peut aller avec une tranquillité dans ce lit. Il peut quitter sa dunya là avec une tranquillité dans ce léquier. Alors Allah Rabbul Alameen fait faire nous connaître qui valait l'iman, c'est qui est avec l'iman qui vous prenez pour la vie. Pas avec l'argent, pas avec l'ICS. Combien de gens qui appliquent en millionnaire, qui sont capables, ce madame est trompé, ce enfant est poussé travers, ce tifi qui quitte la case, sauver ce garçon, rébelle, tifi, le caïté. Mais qui peut faire tout ça dans l'argent? Qui peut faire tout ça là en et qui un dimanche il capte là non ni ce madame content ni il content ce madame il content ce bon enfant content ni qui plie grand joie qui est là qui plie grand joie qui ça il a de la vie peine ou plie mal plie grand joie qui ça un dimanche il content ce madame content ni il content ce bon enfant content ni mais si un dimanche il amène la vie dans sa façon là et peine plie grand joie qui ça
Et ça, c'est à travers l'iman, à travers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui aime la case et aime l'harmonie pareille, et aime l'entente pareille, et aime une joie pareille. C'est simplement que le shaitan n'a pas de rentrer. Une fois que le shaitan est rentré, il y a la même qui a des autres, il y a la même qui a un bouleversement et qui ça lui enlève tranquillité depuis la, depuis l'équerre, lui enlève tranquillité depuis nous la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui fait bon action et qui est dans l'iman, ça dit là qu'il y a un homme ou bien il y a une madame, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, certainement, très certainement, des styles Allah Ta'ala, les mettre en phase ou là, falanuhyiyannahu, très certainement, nous pouvons donner une vie tayyiba, une vie agréable, une vie qui remplit avec tranquillité, avec prospérité. Comment Allah va mettre en phase celui qui les amène iman, les fait bon action. Celui qui amène l'iman, il fait bon action, qu'il y ait un homme, il y ait une madame, Allah va dire très certainement, même qu'Allah va dire très certainement, dans la langue arabe, Allah va faire une servité, premièrement, l'âme, les amis non, tous les deux, c'est des lettres qui perdent un taouquine, qui peuvent mettre l'emphase, très certainement, nous pouvons donner un la vie, un bon la vie, nous, ça la terre. Même si Allah partit service à l'âme et que nous, là, Allah te dit, celui qui fait une bonne action, les naïmans, nous donne un bon la vie. Ne tu peux accepter, moi, je peux croire dans sa vérité, là. Ne tu peux accepter, ne tu peux croire. Mais Allah, Rabbul Alamin, peut mettre l'emphase, là, pour qu'il nous l'esprit ouvert. Paix la tranquillité dans les obéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un peu grand alim. Il dit, qui fait, Jimoun? Qui fait un kafir de drogue, si pas cinéma, la musique, et la boisson, le qui fait ce drogue ça? Parce que je ne l'ai qu'à pauvre, je ne l'ai qu'à pauvre, je ne peux pas qu'une chose pour distraire, je ne peux pas qu'une chose pour engager avec ça pour gagner une certaine tranquillité, une certaine joie dans la vie. Et il y a quand un mu'min, qui se léguait déjà riche, se léguait déjà riche, quand se léguait déjà riche, quand se léguait déjà rempli avec tranquillité, avec contentement, avec la joie, quand se léguait déjà rempli avec ça, est-ce qu'il peut avoir le plaisir avec la musique, avec haram? Non, parce qu'il se léguait déjà riche. Parce qu'il se l'écrit déjà et rempli avec contentement, avec la joie. Donc c'est ça. Allah Rabbul Alamin peut dire, celui qui finalement iman, sa iman là, et qui iman ne suivi pas par bonne action, celui qui avait iman, il fait bonne action très certainement. Allah Rabbul Alamin pour donner un bon la vie. Et qui nous peut redire l'eau salatée là? L'eau salatée là, et je, nous n'avons pas traversé le moment de la terre. Ensuite, nous avons l'akhira. Mais qui nous verra dire l'eau salatée là? L'eau salatée, nous avons dit, non, c'est qu'il y a un bon la vie. Un la vie qui remplit avec tranquillité. Nous la tête posée, nous l'équipe remplie avec la joie. Mais comment pour gagner ça? Comment pour gagner ça? C'est simplement à travers l'iman. C'est simplement à travers l'iman et à travers bon action qu'il nous fait à chaque fois qu'il nous. Nous pouvons renforcer nos iman. Nous pouvons renforcer nos bonnes actions. Nous pouvons augmenter nos iman. Nous pouvons augmenter nos bonnes actions. Nous ressentons une tranquillité dans nos équipes. Nous ressentons nous gagnons une certaine joie, un certain contentement. Qui peut miser dans haram, ce n'a pas gagné sa tranquillité qui nous gagne dans l'obéissance à Allah. Et tiens, qui peut miser dans haram, qui peut rôder? Je peux rôder une certaine jouissance. Je peux redonner certaines jouissances, mais sa jouissance qui est un mu'min, l'y gagner, l'y jouir avec ce iman, n'est pas impossible sa jouissance qui nous gagne avec l'iman là, n'est plus faible que sa jouissance qui peut plonger dans le haram, ce que je peux chercher dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Obligatoirement, jouissance de l'iman, à cause de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
L'insérie bandième qui dit Za ta ta'ma l'iman. Ça dit mon alingain goût iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana fihi thalathun, man kana fihi wajada bihinna halawat l'iman. Il a trois qualités. Celui qui finit dans sa trois qualités là dans lui, l'ingain, la sweetness of iman. Et c'est qui le mot de PCA qui bandième qui le mot de PCA dit Za ta ta'ma l'iman. Ça dit mon alingain goût iman. Il dit l'inna. Apprécier ce goût, l'ingain, la saveur de l'iman, l'injuie, la sweetness of iman. C'est-à-dire, iman c'est une petite chose qui est doux, iman c'est une petite chose qui nous apprécie, iman c'est une petite chose qui ramène nous les guerres, qui amène la joie dans nous les guerres, pas dans le coffre, pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas attention nous croire, quand nous augmentons nous l'amusement d'un haram, nous plie dans joie, ne vous plie joyeux au salatera, non. Surtout si nous avons un type d'iman, à chaque fois que nous finissons un certain péché, il y a un regret qui vient. Si nous avons un iman, il y a un regret qui vient. Qui fait une bise à faire ça? Qui fait une bise à dire ça? Et qui ça regret là, il vient pour manger les pieds un timon. Il paraît une tranquillité. Et qu'un timon, il a saigné au Coran, il lit pas, il lit au Coran. Il lit au Coran, il lit. Quand il termine, il ressentit qui, alhamdoulilah, m'a fait mon travail. Il ressentit une satisfaction avec lui-même. C'est ça, plus grand richesse sur la terre, c'est un dimon, il est satisfait avec lui-même. Un dimon, il est satisfait avec lui-même. Quand on peut satisfait avec vous, quand il y a une personne qui plie comme nous, qui vous-même, qui ou maman, qui ou papa, ou madame, ou enfant, un dimon qui a une double face, qui pas triple face, qui a des rôles qui a amené au salatéra. Mais il n'est pas pour qu'il cache en lui-même. Il n'est pas pour qu'il cache en lui-même le rôle qui lui a amené. Mais un dimon qui, sincèrement, lui a fait ses efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah, il n'a pas hypocrite. À cause de la présence d'un dimon, ça dimon là, un dimon qui est sincère envers Allah, il est satisfait de lui-même. Il est satisfait de lui-même, définitivement, impossible de vous satisfaire 100% avec nous parce que nous sommes un dimon qui est derrière là. Mais quand nous trouvons qui nous peut faire nos efforts, nous peut faire nos efforts, le premier plus grand effort qu'il nous fait, c'est vivre l'islam authentique. Vivre l'islam authentique, ça c'est. Trois quatre avant, ils finissent faire la même ça. Et qui combien de gens vivent dans l'islam authentique la même, pourtant le travail facile, pas peut dire nous monte montagne, pas peut dire nous sortir montagne, mais c'est dire nous corrige de l'akida. Ça akida fausse fausse qui est là, une pourriture qui est là, d'akida là. Dès tout ça là, croire dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait au de nous pour croire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner, et c'est ça même qui plie logique, qui plie vrai, qui plie. Nous adapter avec ça, nos constitutions, nos compréhensions, les satisfaire avec ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vient de nous un islam authentique, nous pouvons faire nos efforts pour suivre ça, l'islam authentique là. Nous ne pouvons pas dire qui, comment dire, nous sommes multicolores dans dit, nous avons tout coulé dans dit, nous en salle là, nous passons le coulé, en le temps, nous sommes coulés. Quand nous allons, nous sommes coulés. Non, venez sérieux dans dit, Allah subhanahu wa ta'ala, trois quatre travail dans l'univers. Trois corps travaillent dans l'univers et un djimoun qui vient s'éloigner dans din, sa satisfaction qu'il y gagne là, paye la personne qui gagne sa satisfaction. Paye la personne qui gagne sa satisfaction. À cause ça même qui, malgré qu'il parle qu'il a la vérité, je t'ai dit, je t'ai la belle lamasse derrière eux, je suis capable de dire, il y a l'opposition, c'est pas qui qualité, mais c'est un djimoun qui plie tranquille dans la vie. C'est un dimon qui est appelé la joie dans la vie qui fait, parce que quand ce pays trouve avec ce léqué, nous pouvons faire zéro pour partir de l'islam authentique, puis ça, sa joie qui est là dans l'équipe là, sa contentement qui est là dans l'équipe là, comment dire, repousse tout sa banne. Sa crainte, tristesse, l'autre qui est capable de venir dans la vie. Alors, parole Allah livrée. Man amila salih min dhakar ou untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui n'a pas d'iman, il fait une bonne action, qu'il y ait un homme ou bien une madame, nous donnions une bonne vie. Un
iman qui était un vrai iman, un iman qui le prophète fit enseigner, ça l'islam authentique là, nous fait une bonne action, pas une bid'a, ou bien une action qui n'a pas trouvé sa place dans l'islam, nous fait une bonne action qui est en conformité avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous déjà pouvons faire des efforts pour pratiquer ça l'islam authentique là, ça va une bonne, ça akhida qui est vrai là, ça va une pratique authentique là, il reste qu'est-il. Il reste simplement pour qu'il nous abstenir de mal péché. Il reste simplement pour qu'il nous abstenir de mal péché. Et qu'Allah vienne de nous en la peau de Taouba. Nous n'arrivons pas à faire péché, nous faisons Taouba. Nous pas venir sagement, nous comment dire, nous persister dans le péché. Ou bien nous faire compétition avec Shaitan pour qu'il nous pas arrêter avec nous la vie dans le haram, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, iman. Sauvaler et sécurité. Demain, si vous voulez vivre l'eau salatée là, avec un léger tranquille, avec un la tête posée, vous voulez vivre l'eau salatée là, avec comme un djimoun qui se la vit rempli avec joie, avec contentement, avec gaieté, un la vie qui remplit avec prospérité, un bon la vie, c'est l'iman qui vous donne ça. C'est à travers l'iman qui vous gagne la vie pareil, n'a pas bon la vie de haram, de kufr, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, Allah Rabbul Alamin dit: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les habitants de la cité, je t'amène l'iman et je tiens à ta croix, nous pouvons pour eux la peau des barakats depuis les ciels. Nous pouvons pour eux et j'ai une barakat, une bénédiction depuis les ciels et la terre. Alors ici aussi nous pouvons quitter Allah subhanahu wa ta'ala, les peut garantir nous qu'à travers l'iman, Allah pouvait la peau des barakats depuis les ciels et la terre. Et un musulman se risque soit depuis les ciels ou bien depuis la terre. Ce risque depuis les ciels, c'est la pluie qui tombait. Ce risque depuis la terre, depuis les ciels, c'est la pluie qui tombait. Et depuis la terre, c'est une plante qui poussait. Alors Allah Rabbul Alamin peut dire, si tu m'as mis l'iman, je te l'attends quoi? Je te mets l'iman et je te vis dans l'obéissance à Allah. Mais tu pouvais pousser une bénédiction, la pauvre bénédiction depuis les ciels et la terre. Alors qui ne comprend pas ça? Iman lui garantit nous un avis facile nous à la terre là. Celui qui Allah fait nous ouvrir ben, la peau de barakat pour lui. Barakat n'est pas nécessaire, on est en quantité, non. Barakat c'est où peut satisfaire, il peut suffire pour vous. Et le plus grand exemple c'est que ça là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vit ben, la vie des barakat, malgré que quand il fait mot, ce bouclier engage contre un juif. Mais déjà, il est déjà un juif, il peut quitter sa lumière, il peut aller, il peut mourir avec des dettes, mais déjà, engage, une forme de dette, il n'est pas encore payé. Alors, nous trouvons que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré la difficulté dans la vie, il finit de vivre par la carte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à travers l'iman, c'est nous la vie pour remplir avec barakat, et dire nous pour satisfaire, pour la bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala, dans Allah Rabbul Alamin, ce bénédiction dans nous la vie. Donc, c'est ça un petit peu concernant valeur l'iman, le premier point aujourd'hui, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, encore des semaines, nous causons des autres points à travers lesquels nous renforçons l'iman. Sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'. Je vous remercie.